Arrête Alors, c'est pas mes premiers choix, mais alors là, même pas les deuxièmes, ça va, je trouve que ça passe, euh, c'était pour changer un peu les amis, j'ai quelques musiques euh, libres de droit que je vais pouvoir euh, vous passer de temps en temps, d'ailleurs dans ce que je vous ai pas réparé, le court travail que je vous ai préparé, vous allez découvrir. Une nouvelle musique que, que je n'ai jamais utilisée. Je pense que vous ne l'avez entendue nulle part. C'est des créations d'artistes qui laissent ces musiques exprès, euh, libres de droit. Euh, J'espère que ça va vous plaire. Moi, je trouve qu'elle qu est vraiment pas mal. Elle est bien entraînante. Euh, mes amis, comme vous l'avez vu, exceptionnellement, je fais ce live en plein jour. Il est 14h19, nous sommes le 8 mai euh, 2019 et je, je vous propose d'abord, parce que je trouve que c'est exceptionnel euh, de vous dire bonjour, vous allez comprendre. Euh, alors, Jobson Joe, bonjour, salut, oui, nouveau générique pour changer un petit peu. Bonjour Bilbil. Euh, tu travailles pas aujourd'hui euh, Bertoni Franco, bonjour. Et, et voilà pourquoi j'ai dit c'est exceptionnel, parce qu'on a quelqu'un qui s'est exprimé sur Periscope. C'est tellement rare que je m'arrête pour le souligner. Donc, Olga Santos 1. Eh bien, bonjour Olga. Je ne sais pas si c'est la même Olga qui vient souvent sur Facebook, mais bienvenue. Euh, Marc Leban, tu dis, tu as pensé à moi pour le nouveau générique Énergie. Euh, J'ai pensé à toi et à changer aussi euh, la même musique euh, habituelle du début pour varier un petit peu. Alors peut-être que d'autres personnes euh, préférant que je revienne euh, au générique euh, standard euh, auquel je vous ai toujours habitué, vous me direz. Euh, José Duc, bonjour. En tout cas, Marc Leban, toi tu aimes beaucoup. Tu me dis excellent choix sonore en tout cas. Eh bien, euh, ça me fait plaisir. <laughs> tu m'as fait peur là. Je t'ai pris pour un troll parce que tu dis tu as voulu nous manipuler et nous mettre en transe. Je rigole bien sûr. Bon, j'avais compris après coup c'était de l'humour arrête de me faire défrayer comme ça heureusement que je n'ai pas un cœur en plastique hein. euh, non je rigole allez bonjour Francis alors toi euh, en journée comme en pleine nuit toujours présent ben ça me fait plaisir bonjour frérot marc le bon tu apprécies et tu le redis et tu veux que je te file la source contacte moi en privé euh, alors livio coffret coffert livio Coffer, pardon euh, bonjour je te connaissais pas tu nous fais de la pub pour des gilets jaunes à Montpellier et euh, qu'est ce qui réclame ces gilets jaunes le RIC par hasard attention à pas inonder de pub allez c'est parti, mes amis. Je vous, fais, je vous mets le petit bout enregistré que je vous ai préparé. A tout de suite. Et Virginia, lui, met sous la pluie. Et oui, tout cela en raison de cette perturbation générée par une dépression. Et vous allez le voir sur l'animation euh, radar. Regardez ce qui se passe exactement. On la voit très bien cette dépression, donc qui s'est creusée sur le proche Atlantique. Et c'est la même dépression hein, qui va vraiment balayer la France d'ouest en est dans le courant de la nuit prochaine. Et on a déjà beaucoup de pluie ce matin, et vous le voyez, on n'y voit pas grand-chose sur cette animation satellite avec vraiment beaucoup de nuages et des précipitations au programme, et ce sur l'ensemble de la France, bassin parisien inclus bien évidemment. Alors Regardez ce que ça donne sur la carte de votre matinée. Avec ce ciel parfaitement couvert, le soleil aux abonnés absents, vous l'avez compris. Il faut prendre son parapluie ce matin. Alors par contre, c'est vrai que la douceur règne puisqu'on a eu un ciel parfaitement couvert cette nuit. Du coup, ça a conservé une certaine douceur et donc des températures positives, pas de gelée au programme. Des valeurs donc qui s'échelonnent de 6 à 10 degrés pour cette matinée, avec 6 à Fontainebleau ou encore 10 degrés du côté de Paris, 8 à Mantes-la-Jolie. L'évolution dans l'après-midi qui ne sera pas favorable pour les activités en extérieur puisqu'on va, ce... Puisqu va retrouver ce temps de merde grâce à ARP. Le 8 mai, ne manifestez pas. Il y a ARP et les interdictions. Interdiction, ce n'est pas qu'à Paris. Tiens, tiens, deux figures médiatiques du mouvement des Gilets jaunes qui ne sont pas des porte-parole ni des chefs ni des leaders, bien entendu, vous rappelez, sont invités Jérôme Rodrigue Lefaux et Bornier et Priscilla Lodowski, la banquière anti-banquier. Rappelez que la cathédrale n'a jamais brûlé. C'est une des grandes cathédrales qui n'a jamais brûlé dans l'histoire. Je vous le rappelle encore une fois, nous avons réussi à récupérer et à modifier la carte Viermite, les Gilets jaunes. Malheureusement, Notre-Dame de Paris et d'autres symboles des valeurs ont brûlé, que ce soit en France ou au travers du monde, des mosquées, des églises. Nous sommes à présent ici. Il faut absolument, les amis, éviter le triomphe de Marine Le Pen. Ceux qui me connaissent, vous savez très bien que j'ai appelé à voter pendant la présidentielle 2017 et ce que j'ai moi-même voté, c'est-à-dire dans les deux tours pour Marine Le Pen, c'était purement stratégique pour déclencher une révolution. Aujourd'hui, maintenant qu'on a récupéré la révolution des Gilets jaunes, il faut absolument ne plus rester dans les clous décidés par ceux qui nous tiennent, c'est-à-dire éviter la dernière carte Death, la mort, l'apocalypse. Ne laissons pas faire une guerre civile, des guerres civiles, ne les laissons pas accomplir. L'ordre par le chaos. Ordo ab chaos. Seule manière, il n'y en a pas d'autre, faire échouer cette carte en France en tout cas, c'est de voter uniquement et massivement pour les représentants de Macron, pour la République en marche aux Européennes. Tout autre vote, toute abstention, tout vote blanc servira à Marine Le Pen. Il n'y a aucune autre

quelques irréductibles gilets jaunes entre ultra jaune et ultra gauche, qui pensent toujours être l'expression du peuple, confondant la soi-disant légitimité des réseaux sociaux avec la légitimité des urnes. La dernière séquence, Policiers, suicidez-vous, a définitivement disqualifié, à mes yeux, je ne doute pas à vos yeux, ce mouvement. Donc, euh, les amis, même si tout est fait pour éviter. Bon, mes amis, souci technique, je viens de m'apercevoir que. Euh, j'ai. Il n'y avait pas de sang. Alors, heureusement que j'ai suivi avec vous sur mon téléphone, ça m'a étonné. Euh, bon, c'est pas grave, ce message vous l'avez vu plusieurs fois et je le corrigerai pour la prochaine fois pour que vous puissiez le finir. Euh, tiens, alors aujourd'hui je vous ai parlé plusieurs reprises de cette couverture de The Economist 2019. Alors, très rapidement je vais vous montrer <laughs> pardon je vais vous montrer juste pour se mettre dans le bain euh, une petite vidéo concernant cette élection donc qui qui se déroule euh, là aujourd'hui élection Législative et régionale, et qui, bien entendu, sera déterminante pour le changement ou pas présidentiel. Alors. En Afrique du Sud, le vote est un droit chèrement acquis, un droit que le peuple doit au combat de l'ANC. Mais si la victoire est promise au parti historique de Nelson Mandela, l'ANC va-t-il réussir à se maintenir au sommet, à dominer la vie politique sud-africaine comme il le fait depuis 25 ans car l'ANC ne peut afficher un bilan séduisant. L'économie est en berne, le chômage record et la corruption endémique. Le président sortant, Cyril Ramaphosa, est conscient du défi, mais lui seul semble capable de redorer le blason du Congrès national africain après les années Zuma. Ensemble, nous allons exercer notre droit qui a nécessité des années de lutte et de sacrifice. Nous assumerons également la responsabilité qui incombe à la génération future de construire ce pays pacifique, juste, démocratique et prospère. Face à lui, deux hommes incarnent l'opposition, le plus consensuel, Mehman de l'Alliance démocratique, le plus virulent, Julius Malema, des combattants pour la liberté économique. Moussiméhman a été choisi par l'Alliance démocratique pour lui arracher son étiquette de parti des Blancs. Il est crédité au mieux de 25%. Je ne construis pas un parti pour une seule race, je construis un parti pour toutes les races, un parti qui représente tous les Sud-Africains. Et vous verrez combien d'autres Sud-Africains noirs voteront pour l'Alliance démocratique. Ce sera l'histoire de cette élection. Un discours bien éloigné de celui de Julius Malema, qualifié de révolutionnaire d'extrême gauche. Il souhaite exproprier les propriétaires terriens, majoritairement blancs, et se pose en défenseur des exclus. Donc euh, voilà la couverture. Alors je vous mets celle qui est... inversée, mes amis, parce que... Euh, ils font souvent l'inversion sur leur couverture. Et là, c'était évident qu'il fallait inverser. Ce n'est pas toujours le cas. Pourquoi Parce que euh, lorsqu'on inverse, je vais vous montrer, on arrive à lire euh, à l'endroit ce qu'il a écrit. Hein. Comme là, on voit Poutinis, Pipelines. Britain Beyond Brexit si euh, on inverse pas c'est à l'envers mais tout n'est pas inversé hein. ils ont bien joué sur la dernière couverture c'est que regardez sur le, le torse de l'homme de vitruve euh, de leonardo da vinci et je vous rappelle que L'anniversaire de la naissance de Leonardo da Vinci, les 500 ans, bah c'était, devinez quoi, c'était le 15 avril, le jour où la cathédrale Notre-Dame de Paris a brûlé. Alors, effectivement, nous sommes tous les chercheurs de vérité partis plus tôt sur l'anniversaire de sa mort, qui était le 2 mai. Mais on aurait mieux fait de nous intéresser à l'anniversaire de sa naissance. Alors voilà, vous voyez, euh, MeToo euh, était à l'endroit, donc elle, ça, ça s'inverse si on inverse la couverture. Donc ils ont joué sur les deux tableaux, regardez, là on voit Mona Angelina, Angelina jolie avec Mona Lisa. Et vous voyez, le MeToo, il est à l'endroit. Alors, on peut, on peut extrapoler et en déduire plusieurs conclusions et théories. Le MeToo, c'est vrai que c'est... On inverse les rôles. Souvent, c'est des affabulations. C'est aussi... Ça vient de ceux qui installent... Les inversions de valeur. Bon. Alors, je reviens sur ce pourquoi je voulais vous montrer la couverture. Donc, vous voyez, euh, juste en dessous euh, d'un des bras de l'homme de Vitruve, vous voyez, il y a une urne. Je vais agrandir. Alors, je suis désolé pour les clics de ma souris il faudrait que je trouve une solution. L'idéal, ce serait une souris tactile. Euh, je ne sais pas trop euh, si j'arriverai à en trouver une facilement et euh, pas cher. Regardez. Là, vous le voyez bien. L'urne électorale avec... Alors, certains. Mais euh, ça a pris juste rapidement. Euh, le temps de reprendre leur, leurs esprits en cru voir le drapeau palestinien non c'est le drapeau sud africain alors voilà revenons à notre live alors je dois gérer plusieurs choses en même temps Garder le fil, alors on va mettre ça comme ça, ça va être sympa comme ça. Voilà, voilà. Allez, un petit tour de revoir. Alors, où est-ce que j'en étais tout à l'heure? J'ai vu. Tiens, Che Abdel, salam frère, Guylaine Miras, bonjour mon ami, Fleur des champs, bonjour, ça fait un moment toi aussi. Euh, ben, Marc Leban, tu dis, je suis comme ça, bon live à tous, c'est gentil. J'ai bien aimé, euh, t'inquiète pas, j'ai bien aimé ton humour. Et d'ailleurs, Che Abdel dit derrière, il faut quand même rigoler malgré tout. Eh bien, je suis d'accord. Je suis d'accord et tu me félicites. Tu me dis bon travail, tu fais chapeau, merci frérot Boubacar El Badi. Donc, tu me demandes comme les autres, vous avez raison. La musique que j'ai mis dans le montage, la nouvelle, hein, vraiment, je l'ai beaucoup apprécié. Hein. Euh, alors, il faudrait que je trouve le moyen parce que c'est des musiques. Je vous le rappelle, mes amis, c'est tout à fait normal que vous essayiez de la récupérer. Je pense que vous aurez du mal à les chazamer. Hein. Euh, C'est des musiques euh, libres de droit que j'ai récupérées un peu partout, franchement. Je ne tiens pas un calendrier, ou un, plutôt euh, pas un calendrier, mais un inventaire euh, de tous ces liens. Je peux en revanche me débrouiller pour essayer de euh, euh, créer un dossier en ligne dans lequel je mets... Les titres que j'utilise et une fois que vous me contacterez en privé, je vous donne le lien pour un pour des téléchargements ponctuels parce qu'il ne faut pas non plus que ça devienne euh, industriel. Et donc voilà, je t'ai répondu. Je pourrais pas te dire ni l'auteur ni euh, c'est des personnes totalement inconnues et franchement je, je ne retiens pas. On peut trouver beaucoup de musique sur Google Play si on a un abonnement. On peut en trouver aussi pas mal sur YouTube Studio pour ceux qui, qui ont une chaîne, qui font, qui font comme votre serviteur de la production de vidéos. On peut en trouver si on cherche sur Google en écrivant euh, musique libre de droit. Il y a tellement d'endroits. Et franchement, je, je ne pourrais pas vous dire à chaque fois où je les ai trouvés. Alors, euh, Jobson Joe, <coughs> ah décidément. Tu dis peut-être qu'en jouant avec la météo, ils veulent qu'on reste chez nous. C'est même certain. Euh, tiens, Che Abdel dit derrière pas peut-être et j'avais donné une réponse. Moi, je vois pas ma réponse. Je crois que c'est ici. J'avais répondu, c'est certain voulait commémorer tranquille et maintenant et maintenant regardez le soleil qui arrive timidement voilà c'est sûr qu'ils n'ont pas été emmerdés pour, pour toutes les commémorations par des gilets jaunes enfin peut-être qu'on verra après des vidéos ou des vidéos que j'ai loupé mais en tout cas sur ce que nous ont montré les merdias sur paris euh, ils ont pu faire leur petite euh, Tambouille tranquillement sans être emmerdé, bien sûr, avec, ils étaient fiers de leur Marianne et de l'arc de triomphe restauré, Marianne qui est, je vous le rappelle, un personnage fictif. Voilà, on adore des icônes qui n'existent pas. Alors, Joachim, bonjour, frérot, toujours présent. Tiens, Marianne France sur VK. Toujours présente pareil et ben tu es d'accord tu dis il ne fallait pas perturber les commémorations d'ailleurs pour les personnes qui me connaissent depuis longtemps euh, vous vous souvenez que j'ai commencé à m'intéresser au sujet des gilets jaunes bien avant le 17 novembre et pour cause parce que j'ai trouvé incroyable je pense que vous partagerez aujourd'hui avec le recul plusieurs de mes avis qui à l'époque m'ont valu euh, quelques trollages, c'est que j'ai trouvé absolument euh, illogique et, et incroyable que la date du 17 novembre ait été choisie en place de, par exemple, la date du 11 novembre. Le 11 novembre, il y avait 100, une centaine de chefs d'État, rappelez-vous qui sont venus commémorer le centenaire de l'armistice. Alors j'espère ne pas me tromper, mais il me semble que c'est ça. On avait Trump, on avait toute la tout le gratin, une centaine de chefs d'État, hein. euh, Poutine, il y avait tout le monde. Mais allez savoir pourquoi les le système, les gilets jaunes merdiatisés, avaient plutôt euh, prédéfini le week-end d'après c'est à dire une fois que euh, toutes les grandes pointures auront auraient quitté le pays c'est absolument extraordinaire déjà première manipulation de masse alors j'avais fait plusieurs vidéos depuis le 1er novembre le 2 novembre le 3 novembre en disant mais ok euh, c'est orchestré, c'est le système qui fait les gilets jaunes, mais je veux bien suivre, je veux bien être gilet jaune, mais pourquoi on commence pas aujourd'hui hein, Pourquoi on n'y va pas pour euh, le 11 novembre Pourquoi on n'arrive on pas en cachant des gilets jaunes dans des sacs, et puis une fois qu'on a on arrive devant les barrières, on les sort et on les met comme ça toutes les caméras du monde voient un défilé avec du jaune un peu partout. Bon, vous pouvez revenir à mes travaux, encore une fois vous verrez ce que, euh, tout ce que je dis et ce qui correspond à ce que je suis en train de vous dire euh, à l'instant. Euh, alors euh, Boobacker, donc j'ai répondu sur le titre, j'ai proposé comment on va faire. Euh, Marc Leban tu aimes aussi euh, ce morceau-là Moi, franchement, euh, il me plaît euh, euh, beaucoup. Et celui du générique, euh, euh, voilà. Par élimination, comme il n'y a pas grand-chose en musique libre de droit, je l'avais mis. Je pense pas que je le remettrai. Pour tout avouer, euh, comme je disais, si euh, j'ai des idées hein, pour. Euh, régler le problème des droits d'auteur hein, qui est, qui est une rente euh, infinie illimitée exorbitante et qui tue toute, toute la création donc j'ai des idées là c'est pas le, le moment de les développer comme ça mais si jamais il n'y avait pas ce, cette barrière des droits d'auteur sur tout ce qui est musique tout ce qui est diffusé dans les médias qui pourtant Touche certains la redevance et tous touchent la publicité, euh, eh bien je pourrais vous montrer toute la musique que j'aime qui, sans aucune prétention, j'ai des euh, milliers de titres euh, sur des playlists, euh, même sur mes, sur mes disques, des musiques, il euh, y a de tout, et plus particulièrement ce qui fonctionne avec les montages, c'est bien entendu les. Euh, des bandes originales, les musiques de grands films, les musiques que vous entendez, que vous aimez dans les grands films, que ce soit dans Inception, dans les, les films. Tout... Généralement, c'est plus les films de, de super-héros. Hein. Ça va être plutôt ce, ce type de musique comme ça, efficace, entraînante. Ça va être plutôt dans ce type de film. Alors, il y a plusieurs grands auteurs hein, en tête desquels. Vous avez Enzimer, mais il y en a plein d'autres. Allez, voilà, on a passé un grand chapitre sur les musiques. Alors, Marc Leban, nous sommes d'accord. Tu dis, on n'est pas sorti de l'auberge. Beaucoup trop d'agents sur le web, les chaînes YouTube, les comptes Facebook, etc. etc. Je suis, mais alors là... À 1000% d'accord avec toi, autant il est facile de euh, d'expliquer, de montrer la manipulation dans les merdias, parce que malgré tout, la masse se doute un peu que les merdias manipulent. Je parle de la masse, euh, la plus grande masse qui n'est pas totalement éveillée, mais en revanche la masse ne se méfie pas assez, ou voire pas du tout d'Internet et de plusieurs euh, Facebookers, youtubeurs euh, qui arrivent comme ça dans des lives ou à travers de vidéos euh, à inonder la toile, euh, à marquer des, un nombre incroyable de vues. On voit euh, des vidéos qui à peine sorties font 30 000 vues, euh, d'autres qui font euh, juste parce que c'est un live. Euh, avec des panoriques dans un rond-point euh, qui font immédiatement 200 000 vues, et je vous parle même pas d'autres qui font des millions de vues. Hein. On se rappelle très bien de, du cas de... Mais il n'est pas isolé, hein, du cas de Jacqueline Moreau. Euh, dès le départ, encore une fois, dès début novembre, j'avais déjà, déjà alerté euh, sur le fait que c'était suspect hein, d'avoir autant de vues, franchement, pour une vidéo vide, creuse hein, pour quelqu'un qui dit euh, écoute moi Macron je vais te dire demain il y en a marre bon. c'est euh, un discours euh, neutre enfin, pas neutre mais stérile on le voit tout le temps dans les manifestations orchestrées c'est des gens euh, on dirait que leur revendication c'est juste d'insulter Macron ou un tel, ou le pire c'est ceux qui n'ont que pour but d'aller trouver du CRS pour aller les chauffer, euh, essayer de les piéger, euh, faire des images, des vidéos. Euh. Enfin maintenant les personnes éveillées, on sait très bien de quoi il s'agit. Hein. Ça c'est le dada euh, privilégié des orchestrateurs et surtout de la CIA de tout ce système pourri de faire des images comme ça avec des fausses Marianes c'est absolument infecte là les mariannes qui nous présentent à chaque fois maquillée euh, c'est à, à gerber. alors hein, Boubacar elle a, elle a badi tu dis allô allô tu l'envoies le lien ou tu veux un chèque <laughs> Bah, ben, non, je veux pas de chèque pour ça non plus. Je veux, je veux bien un chèque, le moment venu, euh, pour m'aider euh, à vivre et à continuer à faire ce travail, mais pas pour, euh, pas contre un morceau qui m'appartient pas. En revanche, je fais souvent des planches euh, visuelles avec des montages et on peut faire une transaction. C'est pas pour la planche qui ne qui franchement ne vaut rien du tout, mais c'est euh, c'est une transaction que je trouve euh, symbolique et vaut mieux ça que rien du tout euh, plus pour m'aider que pour acheter un, un, une planche, euh, un bout de papier ou une planche numérique. Mais euh, j'ai pris beaucoup de retard dans ces projets-là. Il y a plusieurs personnes qui m'ont contacté, dont je vous le dis. Hein, une seule personne sérieuse et que je n'ai pas pour l'instant euh, rencontré, mais je pense que ça ne va pas tarder parce que la personne vraiment est très très sérieuse. Et je vais pas dévoiler sans avoir pris son accord euh, la proposition que cette personne m'a fait. C'est vraiment une super proposition. Je vais vous dire. Pff, pas une planche que la personne elle prend, hein. c'est un sacré nombre de planches euh, et mensuellement en plus. Alors, oui, alors je me suis rendu compte après Boubacar et Jobson et David dit que il euh, n'y avait pas de son à la fin de la vidéo. Bon, bah, c'est un raté, c'est un raté. Vous avez remarqué pour les amis de YouTube que le live d'hier, je l'ai mis tel quel brut, sans faire aucune retouche. Il y avait des corrections à effectuer, des accélérations. J'étais tellement épuisé, euh, j'ai préféré le mettre tel quel à uploader. Et je suis parti me coucher, il était 3h, heures, 4h heures du matin. Alors. Tiens, bonjour Max Mondog, comment ça va frérot Alors qu'est-ce que tu dis Tu demandes si c'est Hollande en Pinocchio. Alors il y a quelqu'un, euh, c'est pas quelqu'un, il y a un personnage hein, qui, qui ressemble à, à ce Pinocchio. Euh, je crois que c'est si je ne me trompe pas, c'est édition fractale euh, qui avait identifié à quoi correspond euh, ce Pinocchio. Euh, Francis Ch, tu dis effet miroir, effectivement, ils inversent les couvertures. Et euh, tu précises bien, c'est important de le dire que ça a été... Alors je ne sais pas si ça a été écrit. Et c'est utilisé depuis très très longtemps. Et euh, on retient donc Léonard de Vinci qui, a, qui utilisait l'effet miroir. Euh, donc Max Mundog, tu précises. Euh, euh, donc c'était qui Là, ça va devenir compliqué de vous suivre. Donc tu précises que euh, le Pinocchio c'était un américain et tu dis l'informateur avisé l'a expliqué. Bon voilà, vous êtes mis d'accord, je vois. Euh, bonjour Jérôme Henny. Bonjour, merci pour toutes ces belles icônes avec euh, trois colombes blanches, trois terres et deux cœurs, un jaune et un bleu. Et, un, et un, un point levé. Bonjour, cher ami. Francis CH, tu dis manipulation en temps réel et même au millième de seconde avec euh, l'intelligence artificielle. Ah, je crois que peut-être on a la visite d'un troll. Romuald Henri tu dis c'est Noël. Je vais voir, qu'est-ce que... A fait par la suite pour l'instant, je ne te bloque pas. Alors, je vous laisse parler de Pinocchio entre vous, Max Mundog. Tu dis la masse et la ramasse, Mehdi, ça craint et puis euh, ça. Ça va ensemble la masse est à la ramasse j'aime bien alors je lis en même temps jérôme <laughs> pardon jérôme et tu m'as écrit un journal alors bon bah ça va dans le bon sens par contre là ça va pas du tout je vois appel à la grève générale à partir de bip le mieux et c'est ce qui a permis en 68 de faire plier. Non, 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 là, là tu fais une sortie de route. Mais 68, ce n'est pas une réussite. Et la grève, ça n'a jamais amené rien. Euh, les blocages euh, non plus. Donc euh, vos grèves générales, vous les gardez. Et euh, c'est surtout pas la chose à faire. Euh, il faut aller vers le déblocage, il faut laisser vivre encore une fois la cité, qu'on puisse nous vivre, aller euh, faire nos achats avec des prix acceptables, aller euh, circuler librement, qu'on n'emmerde pas les autres, euh, qu'on puisse se soigner et s'occuper de nos proches. Les grèves, les blocages, c'est la chose à ne pas faire. Ça retourne l'opinion contre nous, ça met de la tension, et ça fait le jeu de ceux qui veulent euh, débrancher depuis plusieurs mois, et qui n'y arrivent pas, débrancher euh, les gilets jaunes. Donc euh, là, là c'est euh, carton... Euh, tiens, je vais supprimer ton commentaire. Plutôt que te bloquer, parce que là c'est carton jaune. Allez, on va pas sortir tout de suite le rouge. Alors où est-ce que tu as mis ça Bon, bah je te je le supprimerai. Euh... Bon, tiens, Francis, tu me conseilles d'ouvrir un compte sur euh, HTTP. Donc tu dis euh, il y a avec la pub je peux être rémunéré là dessus mais c'est la même chose sur YouTube, moi j'ai fait le choix de ne pas mettre de la pub sur ma, mon YouTube officiel, mais c'est vrai que j'avais euh, émis l'idée de créer des pleins de clones sur YouTube euh, que je n'ai pas eu le temps de créer. Et là, bon bah avec le site que tu me proposes, si lui aussi euh, rémunère, et puis d'autres sites à, à chercher, hein, c'est que l'idée ensuite, une fois que j'aurai fait un live, euh, vous le regardez comme d'habitude bénévole, bénévolement de ma part et sans publicité. Et si ensuite il vous convient, ou même s'il ne vous convient pas, et que dans les deux cas, euh, vous souhaitez me soutenir. Eh bien je liste en dessous de la vidéo 1, 2 3, 4 je ne sais pas le, le, ce que je pourrais faire 5 euh, liens, les mêmes vidéos. Euh, vous cliquez là-dessus la première fois vous lancez la vidéo, vous coupez le sang à partir de, de l'appareil pas à partir de la vidéo parce que ça il le voit. et si vous recommencez l'opération une fois, deux fois, trois fois bah, ça me fait euh, trois fois quelques centimes, qui au final cumulés peuvent devenir intéressants et ce qui ce qui laisse le choix <laughs> pardon ce qui laisse le choix aux personnes qui ne veulent pas euh, me soutenir de ne pas le faire de regarder comme ils ont toujours fait euh, bénévolement mon travail sans publicité et de passer leur chemin certains ne mettront pas du tout de pouce euh, certains <coughs> malheureusement en profiteront pour mettre un pouce bas euh, bon c'est le jeu hein. il y aura toujours euh, du bon et du mauvais alors jérôme Lee, euh, je je ne vais pas répondre à ta question parce que J'y réponds euh, tous les jours. Euh, et c'est une question très très vaste. Ce que tu dis, quelle est la solution Alors, s'il te plaît, c'est une question très très vaste. Ben, je pourrais te dire, comme ça, si je devais résumer en une phrase, lis ce qu'il y a en dessous de mes publications, les revendications que j'ai listées, et euh, suis moi. Voilà, je peux pas faire plus simple. Je suis leader. Et on m'a dit hier, tu es leader de 11 personnes. Bah, c'est génial hein, de pouvoir être leader pour commencer de 11 personnes. Mais je suis leader, que ceux qui veulent me suivre me suivent. Il y a des personnes qui me soutiennent et j'en suis fier et c'est tant mieux. Je me suis présenté aux législatives sous ma propre bannière et je continuerai à lutter pour éveiller les autres, pour animer la dissidence, pour décrypter. Démasquer les manipulateurs, les manipulations, la franc-maçonnerie, les problèmes. Tant que je le pourrai et tant que j'aurai un souffle, je le ferai. Je le fais pour tout le monde, je le fais pour mes enfants. Voilà, j'espère t'avoir répondu. Euh, allez, on va s'arrêter là. Il est 15h01, mes amis. Je vous souhaite une très très belle journée. Je ne sais pas si je ferai un live ce soir mais là ça fait le live d'aujourd'hui j'avais plusieurs choses à vous montrer mais j'ai un paquet de sujets euh, je ne peux pas me dédoubler et je vous rappelle que pour l'instant jusqu'à présent comme je l'ai toujours été je suis tout seul à vous produire tout ce travail il y a quelques anges euh, qui parmi vous donc euh, m'aident à chercher, à faire des recherches sur des articles, etc. Mais la production que euh, vous me voyez vous fournir à chaque fois, euh, je n'ai pas d'aide. J'aimerais beaucoup hein, trouver ou monter euh, n'importe quelle structure pour qu'on puisse être plusieurs à fournir ce travail euh, qui peut être un travail journalistique, hein, un travail de média. Euh, mais bon. Pour l'instant, je demeure seul. Eh bien, c'est très bien de finir là-dessus. Jéromélie, tu dis bon après-midi à toi, ainsi qu'à vous toutes et tous. Tu nous mets de jolies icônes. Et tu dis prenez grand soin de vous, avec un beau cœur bleu. J'aime le bleu. Allez mes amis, bonne journée.